En 2010, mon fils aura 12 ans. Il sera longtemps pour moi de lui parler de son pays. Et pour lui, c'est quelque chose de très très important. C'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes, le régime impérial. Fort, puissant, règne sans partage. Et n'entend aucunement pas céder le passage. Je lui dirai qu'ils sont des spécialistes du langage. Rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe. Des mots qui sont restés vides de leur sens. Disait de nous, jeunesse, fer de lance de la nation. Alors qu'au fond, ils nous préparaient à la marche à tâtons. Que nous contournerait sûrement avec du bâton. À la moindre élévation de notre temps, je lui dirai qu'ils sont devenus des super patrons. Ils ont hérité la méthode de leur père colon. Et n'entendent aucunement pas changer de façon. Car pour eux, ne réduire un mouton, ce n'est pas du tout bon. Ils ont inversé le sens des choses, transformé le mal en bien et le bien en mal. Ils pillent les fonds, asphyxient les sociétés qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage et compte sur la mère. Celle-ci sort le jeu et rentre avec des fritures. Elle comptera son tour sur la fille qu'après l'école verra le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère pense trouver mieux en approchant les PD. Il s'est fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Il ignorait peut-être que ça ne valait pas la peine. Je lui dirai qu'un régime où le fonctionnaire est milliardaire, à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire, ne peut produire que misère et galère, et nous éloigner de ce fameux bout du tunnel. Fiston, tu peux gagner ta vie, même en vendant du pain, il y a beaucoup qui le font. Il faut rester digne, combatif et efficace, et chercher le chemin de la réussite sans tâche. Je lui dirai, tes rêves s'arrêteront au sommeil. Action quand tu te réveilles, aie confiance à ton potentiel. N'attends rien de Dieu et compte sur toi-même. Le rendez-vous avec le Père, c'est à la porte du ciel. Je lui dirai, ne combats pas la réussite, prends-la comme une référence, et tu vaincras l'empire du mal. Prends-la comme un carburant, il filera comme le vent. Prends-la comme une rage, celle qui déplace les montagnes. Je lui dirai, fiston, évite les choix faciles, les déviances et ces mots qui minent notre société, qui à la longue détruiront ta dignité, affecteront ta moralité ainsi que ta liberté. Je lui dirai, je lui dirai. Conscience, des dessous de table et autres remplissage la panse. Mon fils, reste homme au principe d'intégrité, que ton anus reste toujours fidèle au WC.